Non, c'est juste que c'est une culture populaire. La culture bretonne, ça a toujours été une culture populaire. Et donc, on ne veut certainement pas la laisser à l'extrême droite. Ça a toujours été une culture très, très métissée. Parce que ce soit au niveau, par exemple, des instruments qui viennent d'Asie centrale. Et il y a toujours eu des mélanges. C'est une terre de mélange et une terre de rencontres. Et du coup, on ne voit pas pourquoi certains, en particulier l'extrême droite, que ce soit mouvement comme Hadza ou Jeune Bretagne, se permettent de récupérer en fait, cette culture-là, de la folkloriser, de la mettre derrière dans un musée, alors que c'est une culture vivante. Donc nous, ce que vous montrez, c'est une culture vivante. Donc il y a des groupes, les groupes qui jouent, donc il y a quand même un bon mélange. Donc, l'année dernière, on a fait aussi avec, entre autres, les Rameneurs de Menhir, avec IMG aussi, qui mélange pas mal la musique bretonne, le galop avec le reggae. Et donc c'est aussi en soutien au mouvement antifasciste en particulier, aux différents mouvements de lutte, parce qu'on pense que c'est important de lier la lutte antifasciste avec la lutte sociale. Donc les organisateurs, donc il y a IMG, donc le groupe, et General Strike, qui est aussi une association donc organise des concerts autour de la lutte sociale et de la fête, donc qui organise pas mal de concerts de punk en général, de ska. Et aussi la CNT donc de Rennes, qui est un syndicat révolutionnaire anarcho-syndicaliste. Donc ça c'est aussi pour le côté lutte sociale. Et la CNT justement, on avait fait le constat, il y a beaucoup de gens qui sont dans la musique bretonne ou dans la culture bretonne depuis toujours. Et on trouvait que c'était vraiment important de pouvoir le mettre en avant.